Salut tout le monde, c'est Alex, comment allez-vous? Moi je vais bien et aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau vlog, on est rendu au 5e day je crois. Et aujourd'hui j'ai des choses assez. Désolé, si, premièrement désolé si je suis un peu monotone, genre un peu. Traumatisé, mais bon, je vous explique, je vous explique. En fait, c'est parce que hier, je vais expliquer du début à la fin. Genre, hier soir, moi et mes amis, genre, on était sur Skype. Genre, on Skypait, genre, en plus, genre, avec les caméras, là, avec les cams. Genre, en fait, eux, ils nous voyaient, mais tout et tout. Puis, tout a commencé, genre, on avait commencé à regarder des émissions de cuisine sur YouTube comme d'habitude, mais ça je raconterai un autre jour, c'est pas le sujet de la vidéo. Et après ça on a regardé autre chose, on a fait autre chose sur Skype, et à un moment donné, genre ben, dans ma chambre les lumières sont complètement ouvertes, et à un moment donné j'ai remarqué que la lumière genre de la chambre, genre je sais pas comment dire, la lumière de la chambre, genre elle s'arrêtait, elle s'ouvrait, mais genre en 2 secondes, et genre hyper rapidement, genre comme si elle ferait que se fermer et s'ouvrir d'un coup. Et genre là j'avais remarqué ça. Puis là ben, j'ai dit ça aux autres, j'ai dit ça à mes amis que je n'aimerais pas, qui s'appelle Hugo et Lux McCoy. Et genre j'ai genre je leur ai dit ça, puis ils m'ont dit oh, ça, ils ont dit que ça doit être normal et tout et tout. Et genre la conversation a continué, et genre au bout de quelques temps genre ça n'arrêtait pas, genre ça continuait, mais je savais pas, c'était tellement vif comme mouvement, attendez, je vais vous montrer ici. Genre, on parle de ça ici, ou qui est la lumière, et qui fait de lumière, et genre c'était tellement vif comme mouvement que je savais pas si c'était mon imagination qui me jouait des tours, ou que c'était bel et bien ça, ou bel et bien que la lumière qui flashait. Et là genre la conversation continuait, on parlait de plein de trucs intéressants. Et ça aussi c'est un truc que je vais vous dire, genre lorsqu'on est avec des personnes et qu'on parle de trucs intéressants, genre il y a rien d'autre, qui nous passe par l'esprit, genre c'est juste qu'on parle, qu'on pense. Et mais enfin bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Et voilà, genre on continue à parler, et tout à coup, genre c'est vrai ce que je vous dis, j'ai rien inventé. Et tout à coup, la lumière a arrêté d'un coup. Boum! Dans ma chambre. Et genre j'étais là à la cam. Genre là je me voyais genre sur Skype. Je voyais ma propre caméra. Normal. Et je me voyais genre avec les yeux grands ouverts. Genre, et la lumière genre elle s'est fermée tout seul, genre. Et putain, j'arrête pas de dire genre. Et genre la lumière s'est fermée, tout est devenu noir à côté de moi. C'était vraiment flippant, c'était vraiment flippant, c'était vraiment peurant. Et voilà, sur le coup j'ai eu vraiment peur, genre. Et après genre la porte ici, la porte de garde-robe ici s'est ouverte tout seul. Mais ça je crois que c'est parce que j'ai reculé fort et j'ai donné un coup sur le mur et ça a fait vibrer la porte, et que vu que c'est une vieille porte, la porte s'ouvre pratiquement toujours toute seule avec un simple coup de vent. Et après ça je me suis vu dans la fin. Est-ce qu'il neige? Aucune idée. Mais non, vraiment, est-ce qu'il neige? Attendez, je vais aller voir. Qu'il neige. Au début, genre, j'avais cru genre qu'il tombait des trucs. Ouais, il tombe des trucs. Mais est-ce que c'est de la neige? Attendez, je. Aucune idée. Oui, je crois que c'est de la neige. Oui, c'est de la neige.
Est-ce que c'est de la pluie ou c'est de la neige? Mais il tombe, je sais pas si vous voyez, mais il tombe un truc. Et je crois que c'est de la neige. Mais enfin bon, je vais pas vous faire chier. Et voilà où j'en étais rendu. Oui, genre la porte s'est bougée. Et après ça, je me suis vu dans la fenêtre, genre mon reflet. Et en gros, c'est ça. C'est ça qui s'est passé. C'était vraiment effrayant. Genre, c'était comme Paranormal Activity. Vous savez, les films Paranormal Activity. C'était comme les films Paranormal Activity. J'ai eu vraiment la trouille. Une chance que j'avais des amis, genre sur Skype, qui me tenaient compagnie, genre. À 3h du matin, genre c'était vraiment effrayant, c'était vraiment. Non mais je vous assure, pour les personnes qui sont plus résignants à me croire, j'ai. Là je dis pas que c'était vraiment genre en activité paranormale. Non, c'est juste la lumière qui est morte, qui a arrêté tout seul. Et la porte, ben, c'est normal, genre j'ai donné un coup contre le mur et ça s'est ouvert, c'est normal. Il n'y a rien de surnaturel là-dedans, mais sur le coup. C'était vraiment effrayant et j'ai rien faké, genre j'ai pas faké genre ma réaction et j'ai pas faké le fait que la lumière se soit fermée tout seul ou la porte encore, j'ai pas voulu faire ouvrir la porte. Et voilà, sur le coup c'était vraiment flippant à mort. À mort. Je crois qu'il neige plus. Enfin bon, c'était peut-être mon imagination aussi pour la neige. Et voilà. À part ça, les days, si je peux parler d'un autre truc, les days. Enfin bon, les jours ils vont très bien et genre maintenant genre je genre ma moustache, je crois qu'elle a pas beaucoup poussé en 4 jours, en 5 jours, mais je sais pas si vous voyez un peu, mais ma moustache elle a un petit peu poussé, non pas beaucoup, j'ai déjà eu une moustache beaucoup plus impressionnante, beaucoup plus gigantesque, mais ça c'est une autre histoire aussi. Mais voilà, espérons que ça pousse encore un peu. Là, je crois que je vais me raser la barbe et la barbe ici et sur les côtés ici en bas. Genre à cause que là ça commence à pousser, puis moi je veux qu'une moustache. Ouais. Ben, non, peut-être garder ici. Ouais, je crois que je vais garder ici, genre, ouais, je crois que peut-être. Enfin, oh putain, ça me fait chier. Alors, faut que je vide mon sac. Faut que je vide mon sac. Ça me fait chier parce que lorsque je m'adresse à vous, à la caméra, j'arrête pas de dire les mecs. Puis ça c'est contre moi. Je n'aime pas se dire ça. Pourquoi? Parce que je suis sûr qu'il y a moins, parmi les 30 vues que j'ai eues sur une vidéo, 30 vues, oui, j'ai 30 vues, je suis une star. Yeah! Parmi les 30 vues que j'ai, genre normalement, sur une vidéo, je peux pas croire qu'il n'y a pas au moins une femme qui regarde mes, qui regarde pas, qui, je peux pas croire qu'il n'y a pas au moins une femme qui regarde mes vidéos. Mais bon, alors, malgré ce fait, même s'il n'y a que des hommes qui regardent mes vidéos, c'est qui serait un peu effrayant. Non, je blague. Et malgré ce fait, genre, j'aime pas ça m'adresser à la caméra quand je dis les mecs. Je trouve ça con. Je peux dire les amis. Et n'importe quoi d'autre qui ne s'avoue pas juste masculin. Enfin bon, tout ça pour dire que je suis désolé s'il y a des personnes de la gente féminine qui regardent mes vidéos, qui ça leur faisait chier. Voilà, j'ai vidé mon sac. Pour la vidéo d'aujourd'hui, c'est bel et bien terminé, je crois. J'ai tout dit ce que je voulais. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous prenez. Okay. Genre j'avais mon Android ici. Je l'ai comme poussé. J'ai failli l'échapper. Enfin bon. J'espère que vous prenez plaisir à regarder mes vidéos. Là je parle beaucoup trop et ma vidéo va être super longue. Mais j'espère que vous prenez plaisir à regarder mes vidéos. Moi je prends plaisir à les faire, mais je prends plaisir à les uploader genre et vous les montrer. Voilà, c'est ça. Je vous aime beaucoup. On se voit pour la prochaine vidéo. Je vous aime.